filmes là? Est-ce que tu filmes? Allez! Hey, oh, hey! Coupé! Hey, action! Coupé. Maintenant, action! Cadreux! Clap! Pour présenter le Blues Café, il y a une chose à dire. Il est tenu de génération en génération depuis 2011. C'est le meilleur bar de la rue Paul Cabet. Le Blues Café est fermé non-stop de 2h à 16h du matin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Blues Café? C'est avant tout une aventure humaine. Hors du temps. Hors du temps, de l'espace. Vous trouverez au Blues Café les meilleurs mojitos de la rue Paul Cabet. Non, non, on fait des grosses pâtes. Les meilleures grosses pintes de la rue Paul Cabet. On vous attend tous, les uns après les autres, tous en même temps, ça ne nous fait pas peur. Je disais que vous pouvez venir à 2000, on est trois, c'est pas un problème, on va trouver de la place. Il y aura de la place pour tout le monde, c'est bien comme ça, hein. 2000. Ah merde. Vous êtes tous bienvenus au Blues Café, sauf... Oh, bah personne. Et on n'est pas là pour se juger, surtout. On n'est pas là pour se juger, bonne remarque ça. On va faire une blague. Qu'est-ce qui est rouge et qui fait mal aux dents? C'est une brique. Et on n'est pas là pour se juger surtout. Oh, on parle pas en même temps, on a dit. Là, on a bien biché le problème. Tu tournes, hein? Le mieux pour se faire une idée du Blues Café, c'est de venir boire un glas. Le Blues Café est parrain des houblonnades. Les houblonnades se dérouleront le 7 et le 8 avril sur le Mail Général de la Borde à Dijon. Eh bien, on présente le blues, non? Venez nombreux, venez heureux, venez vêtus. Merci, bonne soirée. We'll be right back.